à tous, là il est 5h ce matin, j'attaque une journée de déchômage avec le Puma et derrière j'ai un appareil qu'un constructeur m'a prêté pour toute la saison. Alors c'est la machine de l'année 2019, Sima Howard. Donc suivez-moi et à mesure que le soleil se lève, normalement vous devriez savoir tous qu'est-ce que c'est comme appareil. Allez, suivez-moi. Je vais éteindre les feux arrière parce que ça donne trop d'indices là. Voilà, les plus avisés d'entre vous l'auront déjà reconnu, je travaille cet été avec le déchaumeur Lemken Rubin 10. Ce déchaumeur connaît plusieurs évolutions par rapport à son prédécesseur, le Rubin 9. Il a tout d'abord des disques de plus grand diamètre, c'est-à-dire de 645 mm comparé à 620 mm sur le Rubin 9. Une autre grosse évolution de ce déchaumeur, c'est le positionnement de ses disques en losange. Ça permet au tracteur de toujours travailler dans l'axe. Entre les deux rangées de disques, ce déchaumeur est équipé d'une rangée de peigne qui est réglable manuellement en hauteur, donc pas besoin d'outils. Cette rangée de peigne, j'ai remarqué qu'elle avait un grand intérêt. Elle permet de faire un bon mélange. Mais c'est surtout dans les blés que j'ai pu le remarquer. Je vous mets quelques images en fin de vidéo après qu'on aura ramassé la paille. Puisque j'avais un tracteur plus puissant et cette rangée de peigne, elle permet de bien appuyer la terre et ce qui permet de ne pas freiner la vitesse du tracteur. Un autre point sur ce déchaumeur, ça va être après la deuxième rangée de disques, on aperçoit derrière moi la rangée de lattes niveleuses. Avec cette rangée de lattes, on va définir si on veut billonner un peu la terre, on la lève, et si on veut que ce soit bien nivelé pour le rappui ensuite par les rouleaux, et bien on la baisse à la hauteur désirée. Bon, et bien voilà, j'espère que la présentation de l'outil vous aura plu. Moi je remonte en cabine, maintenant on va aller ramasser un peu de paille, et ensuite on reprend le déchaumage des blés avec le tracteur que je vous ai promis. Allez, à tout à l'heure. Qu'elle avait un colis pour moi, donc je vais essayer de l'intercepter.
merci. De rien. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Le fameux trophée YouTube des 100 000 abonnés. C'est le moment idéal pour moi de tous vous remercier, vous tous qui me suivez de manière assidue toutes les semaines pour mes nouveaux épisodes. Et bien voilà, je sais pas où je vais l'accrocher, mais vous le reverrez sûrement de temps en temps. Maintenant, on va retourner déchaumer un peu avec le Rubin 10. Allez, suivez-moi! Là, dans la parcelle à droite, vous allez voir, il y a l'entreprise de travaux agricoles qui est en train de faire nos roues de Valère, c'est le terre Malais. C'est plutôt joli, ensemble, c'est un Valmet série 8000 avec le premier qui va donner Michelin. Et là, après, on va à la paille. Allez, c'est parti. Bon, on vient de finir le chargement de ces derniers plateaux, je viens de vous montrer quelques images. Et là, je vais avec le drone dans une parcelle de maïs, juste plus loin là-bas, j'ai une surprise à vous montrer. Là, il y a de la poussière dans une parcelle, j'aimerais bien aller voir ce que c'est vite fait. Je m'approche. Ah, c'est un Big Baleaire, c'est sur un Fen, un Favorite 816. Et le Big, c'est un 120 par 120 Eston. Et voilà, là je vous mets quelques images. Bon, on continue. Je vais retourner voir dans le maïs ce que j'avais à vous montrer là. Hop. Bon, et ben voilà, vous commencez à distinguer le logo du salon Auchan, donc le salon de toutes les cumas de France qui a lieu juste ici à 3 km de chez moi, donc à Bron. Donc ça a lieu le 18 et 19 septembre, donc là, le mois prochain. Moi j'y serai présent les deux jours. Donc le salon, il y aura des démonstrations épandeurs automoteurs, ensileuses, plein de nouvelles technologies liées à l'agriculture dans les champs. Voilà. On continue, on va retourner faire un peu de rubine dans le blé, voir ce que ça donne. Là, je pars essayer le rubine dans les chaumes de blé. Je me rends à la parcelle, on déplie ça et on regarde ça. Allez, c'est parti! Eh bien c'est parti pour les déchaumages des blés. On cherche pas tout à fait la même chose que dans les colzas. Les colzas, c'est vraiment un déchaumage superficiel pour le premier passage, pour mettre les graines de colza qui restent en germination, qu'elles poussent rapidement et les détruire ensuite mécaniquement. Là dans les blés, on va aller un peu plus profond, 10-15 cm, donc milieu de disque. Et là c'est vraiment le but de faire un bon mélange entre les chaumes qui restent et la terre pour une dégradation rapide, pour ensuite implanter soit un couvert végétal ou soit un colza. Bon allez, c'est parti.
Bon, et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode 2 des travaux d'été à la ferme vous aura plu, avec le déballage du trophée des 100 000 abonnés et mon invitation à venir me rencontrer le 18 et 19 septembre au salon Auchan ici à Bron. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à rester connecté sur HLG puisqu'il y a encore plein de belles surprises dans les prochaines vidéos à venir. Allez, à la prochaine, merci, salut!